Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible de faire du ski dans GTA V si Rockstar décide de l'implanter. C'est vrai qu'avec les braquages qui arrivent, c'est pas le moment de penser à cette nouveauté, en tout cas pas pour Rockstar. Mais à l'avenir, ce serait sympa de pouvoir faire du ski pendant des activités, alors pas forcément en mode libre, quoique pourquoi pas pendant les périodes de Noël en mode libre, mais aussi n'importe quand dans l'année uniquement disponible en activité. Alors ce mode, il m'a été présenté par Aconit Killer, c'est lui qui m'a donné ce gameplay pour faire découvrir à la communauté de fans de GTA V que rien n'est impossible dans GTA V si Rockstar le veut. Alors là, c'est sous forme de moto, donc au lieu d'être sur moto, on est sur des skis. Bien sûr, si Rockstar l'implante un jour, la jouabilité et la maniabilité seraient différentes de ce qu'on voit là. Mais après tout, GTA V, c'est un monde ouvert dans lequel le joueur est libre. On peut manger, tuer, voler, aller voir des prostituées, rouler dans toutes sortes de véhicules. On peut se battre, nager, faire du saut en parachute, faire du vélo, on peut jouer au tennis, au golf aussi, on peut dormir, regarder la télé, bref, on peut faire vraiment tout plein de choses qui nous montrent bien qu'on est dans un monde libre, alors pourquoi pas faire du ski au lieu de simplement pouvoir jeter des boules de neige, alors pourquoi ne pas créer aussi une véritable activité autour de la neige? Là c'est du ski mais ça aurait pu aussi être du bobsleigh par exemple, avec des pistes qu'on pourrait créer nous-mêmes comme on fait pour les courses. En tout cas ce mode il est sympa mais ça reste qu'un mode, ce serait complètement différent si c'était officialisé, imaginez une course GTA mais en ski, ça doit juste être magnifique. Je vous laisse sur ce gameplay, le lien d'Aconit Killer se trouve dans la description de la vidéo, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.